Bonjour à tous, c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le mode de jeu sport de Hilti Game. Et hop 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 hop. Toi, t'étais prêt à quitter la vidéo sur les 5 premiers mots que j'ai dit. Mais reste là, parce que c'est la meilleure game que j'ai fait de ma vie sur tous les modes de jeu confondus. Ah oui, hein. La meilleure game de toute ma vie, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et n'oubliez jamais, un UHC n'est jamais perdu d'avance. Est-ce que, mesdames et messieurs, on peut enfin considérer que la game est lancée. FTG Open Series. Des arbres cassés là. Est-ce que je vais enfin trouver mon âme sœur? Il y a quelqu'un là-haut. Inch'Allah. On va pas tergiverser, on va directement aller à l'annonce des rôles. Inch'Allah, j'ai un brawl. C'est nul! C'est archi nul. Oh c'est pas le rôle que je préfère. Bon bah je suis hacker. C'est simple, je peux voir les coordonnées d'une personne de mon choix par épisode. C'est-à-dire que à n'importe quel moment je peux faire slash p pseudo pour pouvoir voir les coordonnées de quelqu'un. Ça peut être utile si je veux chase quelqu'un pour le tuer. L'avantage est qu'il est super facile de prouver mon innocence parce que je peux facilement donner les coordonnées de quelqu'un à la précision exacte du bloc. Allo? Oula, ouais, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Petit temple, un bon petit village. Salut, c'est quoi les parties diams autorisées? Just Trombot. Et épée. J'ai jamais eu autant de chats dans une game, je suis choqué en fait. Bah, moi il me manque un diamant et c'est bon. Moi il me manque deux. Moi il me manque un diamant pour me faire un plastron. Est-ce que vous pouvez m'en passer un s'il vous plaît? Waouh, t'as de la chance. Ouais, je suis over. Salut, over. Ah, c'est over. C'est over. J'ai trouvé deux diamants de la partie. S'amuse. Moi je suis plutôt pété. Vous avez un d'or s'il vous plaît. Gros, j'ai même pas une gapelle alors. D'accord. Moi j'ai plus de poils pour faire mes pommes. T'inquiète, je te tuerai pas. Je serai clé. J'ai l'impression que là on me pisse dessus. Ouais, j'avoue, je te pisse dessus, gros. Oh, eh, hey, ça va? Ouais, toi? Bah, ça va toujours. C'est bon, j'ai compris. Le minage c'est chiant, on remonte tout de suite pour aller en 0-0. Ah, c'est eux? Il y avait. What? Je vois personne. Il y a des gens devant là. J'ai peur là. Ah, ouais, des gens. Non. Qui a osé tuer le faux belge? Bah il l'a poussé là. Qui a osé tuer le faux belge? Ici, ça s'est passé ici. Il l'a poussé comment, comme ça? Qui a osé? Alors déjà d'une. Si vous voulez des infos, bah y'a Johan qui est mutant 100%. Il est résistant sûrement. Ah ouais? Et Marcus, il est peut-être encore mutant, mais je suis pas sûr. Bah ils m'ont attaqué, enfin ils m'ont attaqué, après okay. Marcus m'a attaqué. Ok, Marcus, bah ouais, mais... Marcus et Johan, ok, avec plaisir. Retenez bien cette information. Apparemment, Marcus et Johan sont mutants. Donc mon objectif est donc de les tuer. Je vais donc utiliser mon pouvoir pour trouver les coordonnées de Johan God et pouvoir le sauter. Johan? Ouais, bon. Il est où Johan? Il est là. Ouais, il est là-bas. Bah moi j'ai plus trop de gaffe. Il est mutant. Ouais, Marcus aussi, je crois. Bah, je crois, ils ont l'air de faire copain-copain, alors que... Richard, tu vas mourir. L'icône, rien. Ouais, je le sens. Ouais, merci. Ah, putain, merde, j'ai pas de bâton. Venez avec moi. Avec toi. Eh, si vous me tuez, notre amitié est détruite. Je tiens à le dire. Richard, je peux te garantir que tu vas mourir. Ah ouais? Il y a vraiment beaucoup de méchants avec toi. Bon, finalement, vas-y Noraya, je te fais confiance. À ce moment-là, j'étais un peu perdu. J'étais en train de team avec des gens et je ne connaissais pas leur rôle. Je pouvais donc pas prouver que Johan avait tort ou qu'il avait raison. J'ai préféré me barrer en les laissant finir leur travail. Ah, Marcus! Marcus, t'es gentil ou t'es méchant? Comment ça? Mais Johan, il est gentil ou méchant? Je sais pas, je viens d'arriver. Et ça se tapait. Marcus? Mon objectif était de le sauter. Mais je commençais à douter de la sincérité des personnes qui m'ont informé. Et j'ai préféré donc l'écouter. Je veux savoir. Il y a Johan qui est en train de se faire buter, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcus, explique-moi ta version des faits. Vas-y. Ouais, non, mais en fait, ici, c'est encore moins safe que tout à l'heure. Donne-moi un pseudo. Et en gros, tu vois, je suis passé et du coup, tu savais que Johan était mort. Ouais. Et sauf que lui aussi est passé de notre barrière.
peux dire que lui envers là-bas n'est pas le meilleur des gens. Ah Restrix, c'est vrai. Je vais m'éloigner alors. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais donc résumer. Marcus est en train de me dire qu'en début de partie, Johan et lui étaient mutants. Mais ils sont astronautes maintenant, ça veut dire qu'ils ont été soignés par le médecin. Si Marcus dit vrai, il connaît donc l'identité de pas mal de mutants. Et il insinue que Restrix, qui avait le pseudo en vert, est donc mutant. Et c'est là que toute la game va prendre son sens. Connaissez-vous l'effet papillon ? En gros, l'effet papillon, c'est le fait qu'un événement arrive car il débouche d'une multitude d'autres événements. Par exemple, je pousse une pierre qui va pousser du sable, qui va pousser de l'eau, qui va... Bref, si j'aurais pas poussé cette pierre, le sable n'aurait pas bougé, et du coup l'eau n'aurait pas bougé. Je prends un exemple un peu bête, mais c'est ça. Il y a Hiro Mega qui nous attaque et Redmols. Hiro, Il y a Hiro et Redmols qui nous attaquent sans raison, genre. Attends. Oui. Mais en fait, oui. Il m'a vu. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est méchante. Non, je suis super sympa. Voilà, merci. GG, les gars. Attends, mais t'es chaud. On va faire quelque part là. Donc, j'ai changé de pseudo, Kala. Redmols, je sais pas si je peux avoir confiance en toi, tu vois. Mais. Bah, dis donc que j'ai sauté une mutante, toi. Mais crois-moi que tu peux avoir confiance en moi. Et que parmi ici, il y en a un qui est potentiellement méchant. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Waouh! Voilà, merci Bichard. J'ai envie de sauter genre maintenant. C'est Bichard au 6-36-36. Ok. J'ai envie de sauter. Est-ce que je le fais? Bah moi je suis chaud parce que là j'ai plus de capote donc il va falloir que je sente un truc quoi. Vas-y bah viens. C'est... Voilà. Comment tu vas? Bah bon, par contre, ouais, par contre, ok Bichard, ouais, Bichard. Ouais. Par contre, fais attention, il va falloir se dépêcher à le tuer. Quoi? Il va falloir se dépêcher à le tuer parce que. Pourquoi? Voilà, quoi. Bah. Je te dirai après quand je serai tué. Mais il se passe quoi là? Il est méchant, je me fais attaquer, il est méchant. Il était à groupe de Xa, ouais. Combien de cœurs? Bah là j'ai 5 cœurs. Non, c'est faux, j'ai 2 cœurs, bien joué. Ah, par contre, j'ai lagué tout le monde, ça me casse les couilles. Non. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce kill, c'est ce qui va sauver ma game. On retourne donc au zéro, et tout le monde a confiance en moi parce que je suis celui qui a voulu tuer Restrict, c'est celui qui lui a donné le dernier coup, et celui qui a commencé à le taper. Donc tout le monde avait confiance en moi. On retournait au zéro, tout le monde était autour de moi, et... Ouais. Est-ce que t'as de l'eau? J'en ai un. Pas s'il fallait le sauter ou pas, et Bichard il a dit ouais, moi je vais dessus. Bah je fais ok, bah je le suis, et puis il y avait Scarvol derrière, il a fait ouais, moi aussi, Johan God méchant. Et du coup, bah moi je suis allé dessus, tu vois. Et après, bah. Désolé. Omega. Voilà quoi. Omega. Ouais. Scarvol, vous l'avez buté, il était juste derrière. Marcus, Scarvol est mort avant Johan, c'est-à-dire qu'il était derrière. Bah Scarvol, il était derrière. Je l'ai pas tué. Je viens d'être affecté par le mutant contagieux. Il faut savoir que je suis très très bien infiltré parmi les astronautes parce que je viens de faire un kill sur un mutant. J'étais celui qui voulait le tuer. Donc, c'est un move de génie de la part du mutant contagieux. Quoi. Noraya ? Non, pourquoi Noraya ? Il y a des gens là. Pas Noraya, Elsa. Gibo, pardon. Ouais. Il y a Gibo là-bas. Et... Attends, bah, écoutez, moi je suis gentil, abuse pas. Et oh, c'est moi qui suis restrict, hein. Abuse pas. Ah bah oui, je suis con. J'ai les dernières du restrict, mais en même temps, c'est gentil. Bon bah, je viens chercher les infos. L'équipe des méchants. Qui est méchant? Ouh, dessus. Qui est méchant? Bah toi t'as qui en méchant là? Bah moi je sais pas, j'ai tué Restrict parce que Marcus me l'a dit et au final il était vraiment méchant. Mec, y'a Gadetti qui va... Qui est méchant? Naiko attaque Gadetti, Naiko attache. Oraclet devrait être mutant géant pour ceux qui se demandent. J'avoue. Il est parti. Il a fui. Oh, il est souterrain. Attends. Il est en couche 30, moins 352, 30, moins 206. Comment tu sais? Il est informaticien. Putain, je te pensais psycho. Bon, y'a qui qui a un stuff un peu? C'est bon, moins, mais... 300, moins 352, 30, moins 206. Putain, je te pensais psycho, c'est pour ça que je te disais ça moi. Ah, go, il... Pourquoi?
Il est méchant. Attends, quand il est glitch. Chaque part, des orages. C'est pas vrai, mais. Putain, mais dites la TNT. Mais arrêtez avec vos TNT. Non, il lag. Ah non, c'est moi qui lag. J'étais en mode il lag, mais en fait, c'est moi, y'a plus personne qui bougeait. Putain. GG. Hop 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 hop. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça. Juste avant, Choup s'est vu nous voir pour nous dire que Oraclet était mutant géant. Comme il était cramé aux yeux de tout le monde et qu'il était peut-être mutant géant, j'ai décidé de le tuer pour au moins s'en débarrasser tant qu'il est encore temps et qu'il n'est pas encore trop OP. Sachant qu'en faisant ça, j'augmente la confiance qu'ils ont envers moi. Et oui, j'ai tué un mutant encore une fois. Et du coup, avec un groupe d'astronautes. Du coup, ils me considèrent dans leur groupe. Et ça permet donc d'être infiltré. De prendre des dégâts, ouais. Prendre des comptes. Ouais, ouais. Par contre, il y a Neko devant. Oh ah, Neko, vite, 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 vite. Là-bas, il est là-bas, Neko. Il est où, Neko? Il est où? Là-bas. C'est où, là-bas? Là-bas, vers le grand arbre. Neko est méchant. L'arbre géant, là-bas. Par contre, c'est groupe de 5. Donc, pas trop non plus. Écoutez, les gens à qui j'ai confiance, là. Bah, on est 4, quoi. Ouais, justement. C'est 4 là. Quoi? Un démol. Moi aussi. Est-ce qu'on saute ce qui c'est? Malfanax il devrait être méchant. Je sais qui c'est, ouais, on peut sauter mais. Non mais est-ce qu'on saute tu sais qui là? Tu sais les trois. Malfanax il devrait être méchant en théorie. Non, Malfanax. Dis pas tes suspicions. D'accord, alors Gibou qui suspecte aussi. Genre, faut juste que je balance des noms comme ça, genre, je raconte plein de choses. Bah, je réfléchis. Gerson. Mais Omega, la dernière fois, Omega. Est-ce que t'es Omega pour moi t'es méchant en fait. Mais parce que. Pourquoi je suis méchant? Vas-y. C'était avec Telet et tout, et. Faut qu'on se décale de. Telet, Scruson et toi pour moi vous êtes les trois méchants. Pas trois des méchants. Mais Omega, la dernière fois je t'ai vu, t'es de la plus marque. Telet, il m'a aidé à chasser Neko, mais en fait c'est parce que justement il est mutant géant. Même s'il est méchant, on est 3 contre 1. Donc limite, qu'il reste avec nous, mais on essaie de trouver les autres mutants. Et attends, mais. Willister, il est 100% safe? Willister, pour tout? Willister, il est safe. Willister rigole. Écoute, mais. Bah, il y a Omega, il y a un truc à vous dire. Non, écoute, j'entends rien. Bichard, j'ai un truc à vous dire. Je crois qu'il écoute. Ouais. Quasiment sûr. Omega, il est 0 safe. T'es sûr? Oui. J'en suis sûr à 5000 oui. Sans doute pour ça qu'il est 0 safe. Il est 0 safe, pardon. Il a fait quoi? Je le sais, c'est tout. C'est ton rôle? Oui. Alors, les gars, il y a Hiro qui attaque. Bah Nono. Oui, bah y a toi qu'il faut qu'il. Y a Hiro qui a attaqué Nono. Mais Nono, elle était pas gentille. Quoi? Noraya, elle reste avec toi. Bah Nono, elle était là-bas, genre j'étais en train de lui expliquer. Bah, genre j'étais avec elle tout à l'heure quand je suis parti vers Neko. Omega, j'espère que t'es pas méchant. Je l'ai dit. Skew, je l'ai dit qu'il était méchant. Et Skew, t'avais dit que Skew était méchant? Oui, je l'ai dit. J'ai dit que Skew était méchant parce que Skew restait avec Omega depuis tout à l'heure et il était avec Marcus. Du coup, Omega est méchant? Bah oui. Attends, viens, on se retourne. Bah, Omega, il tue plus. Omega? Quoi? Bah, si, il est derrière. Oh. Désolé, bro. Je me décale de toi, je fais pas. Enfin. Ouais, balance-leur que c'est moi qui vais tuer. Ouais, je sais. Allô? Allô? Ça fait Alpha. Merci les gars! J'ai plus de vie par contre, okay, je vais pas m'aider. Tiens. Oh, normalement. Les gars! Ah, wow! Par contre, c'est des groupes de combien les gars? On est 4. Je suis là, moi je me suis rajouté. Non, y'a Bichard. Ah, ouais, Bichard, on est un peu trop là. Non, regarde là. Oui, mais y'a Bichard, c'est ça. Avant que Bichard. Non, mais Bichard, c'est bon, il est sur le bon. Mais il est mort. What? C'est quoi? Ah, bah, c'est clair. Juste un peu. Je te booste, Daniel. Non. C'est lequel, Bichard? C'est Noraya. C'est Noraya. Derrière, il y a Hiro Mega, je sais pas si il est gentil. Oh là, ça passe pas mal dans le bras. Hiro, il est gentil. Blague. Go, il y a Damien, il va se faire. Ouais, mais on peut pas y aller tous. On peut pas tous y aller. Ouais, mais si c'est Tu peux y aller, Gibouk.
Non mais je veux... Gold, vas-y. De quoi? Mais... Ah, mais comment, y'en a qui... Eh ouais. Eh ouais, j'ai compris. J'ai compris que... Que j'étais trop bien infiltré. Noraya vient de mourir. Et... Il ne reste plus qu'un seul mutant. C'est moi. Quelqu'un a des gars parce que je... Ouais, non. Là, je suis vraiment le dernier mutant. Et il reste un méchant, là? T'oses me dire que t'es loin? Tu oses me dire que t'es loin? Non, sinon ça aura fini la game, hein. Il reste un méchant. Ah, voilà, Alors là, c'est la merde, hein. Je suis tout seul, face à 6 personnes. Il va falloir jouer avec le mental. Il va falloir cerveau des gens. Ah, moi, je vous le dis, hein. Retournage de crâne. 3-6 non-scope, tout ce que vous voulez. Alors là, ça va être chaud, hein. Je vais essayer de vous expliquer un maximum ce qui se passe dans ma tête. Bah, si vous faites pas l'animation... C'est Gold. Oh non, c'est un nouvel abonné. Ça peut pas être moi. Pourquoi? C'est le méchant. C'est qui le méchant? On a un rendez-vous ou pas? On a un rendez-vous ou pas? Non. De déco? De déco. Non, le dévot a été interdit, mais... Ouais, voilà, parce que... On a fait un game, quoi. Ouais. Par contre... Gibook, c'est pas elle. Bah, après... Quelqu'un a des caps? Moi j'en ai plus. Alors, non, Lunatica, Lunatica est safe et moi je suis safe donc. Moi j'ai confiance aux deux, hein. J'ai confiance aux deux, c'était avec moi. Alors, moi c'est simple, j'hésite entre. Non, bah, c'est non, Gold. Ok, c'est pas Gold. Je veux pas dire, mais la personne d'entre nous 7 qui l'a fait, genre, a vachement bien joué parce que j'ai l'impression que j'ai poussé une autre sur le bord. Mais c'est simple, soit c'est Gold, soit c'est Lunatica. Mais Hiro, je t'ai pas vu fight. Gold. Moi si, si, Hiro, il a fight. Il a fight. Tu me s'il reste quelqu'un dans les coins. Hein. Viens, on regarde dans quelles coordonnées tu es. Peut-être que tu regardes dans quelles coordonnées je suis, comme ça, genre, c'est tranquille. P. HP, genre. Et t'es en moins 77. Moins 77. 52. On joue pas avec ça les va être chaud, comme ça. Ça va être chaud. Moi, je vous le dis, le dernier va galérer. C'est archi c'est drôle. Ça, c'est archi drôle. C'est un génie à part ça. Bro, enfin, il a baisé tout le monde. Il a roulé sur la game. C'est Hiro. Et du coup, vous avez pas une gap, genre Bichard. Bon, du coup, les 4 on a une. Moi, j'ai une seule gap. Bah, justement, j'ai un cœur et demi. Par contre, on a pas le droit de rester à 4. Hein. Mais j'ai un cœur et demi sur Bichard. Je reste avec Gibook et puis vous. Ils arrivent. Bichard, je suis sur Ouais. Tu. Oh, quelle abruti. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Sérieux, en plus, le mec. Ouais, moi j'ai. Écoutez, il y en a un des trois qui est mutant, il faut le sauter. Mais je t'ai dit de se péter. Au pire, on saute les trois. Mais ça peut pas être moi, je suis. Mais je suis hacker! Mais c'est pas bien! Mais je suis hacker! C'est n'importe quoi! Mais gros, je suis hacker et résistant! Du coup, je peux. Tu veux que je fasse quoi? Pourquoi? C'est qui t'accuse? Dégage! Eh, recule! M'approche pas! Mais reste loin dans ces cas-là, casse-toi, je sais pas pourquoi tu t'approches. Mais ils essaient de me shoot, les gars, aidez-moi. Moi aussi, me shoot. Mais vous savez que nous on a tué au moins 5 mutants. On s'en fout si vous avez buté des mutants. Nous on a tué 5 mutants. Et tous ensemble. On est tout le temps restés ensemble quasiment. 5 mètres. Ça, je te jure, ils me shoot, c'est eux. Bah, Hiro, il vient de me hit. Non, mais c'est Hiro. C'est Hiro, il fout des flèches, hein. Mais Hiro Mega, c'est lui le méchant. Ça commence gold, à me saouler, gold, gros, gold, il y a autre chose à faire. Gold. Oh non, j'ai pas le os de 23h, le seul. Je sais pas, parce qu'en fait, là, ça se trouve, le mutant, il est parmi vous trois. Il là, est pas mort. Une tape. Ouais, c'est Hiro. Mais c'est pas moi. Ah. Mais c'est... Ok, c'est Gold. C'est Gold. Il est bon, bah écoutez, moi j'y... on saute lui, et si c'est pas lui, on saute Hiro. On a rien à perdre. Mais arrête de me... Mais Hiro, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. Mais gros, je connais mon rôle. Abuse pas quand même. Oh, je sais que je joue pas souvent. Tu sais quoi, vas-y, Hiro. Viens, on se tue et il tue l'autre. Non. Ah. Bah voilà. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Ce qu'il a tué. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Ouais, attends. Suivez-moi. J'ai des gros problèmes. En fait. C'est qui? Bah, c'est qui? ça se joue entre toi et Shoops. Et Gold. Non, Gold. À moins que Gold soit contaminé, mais en fait, pour moi, c'est toi le contaminé. Bah, non. Pour moi, t'es contaminé en fait. Bah, non, pas du tout. Mais gros, je suis resté hacker toute la game. Vous avez mon rôle, je suis sûr que vous prenez les votes, hein, les gars.
Comme ça, toi, tu restes en vie. C'est qui vous... Non, je rigole. C'est pas toi. Pourquoi Gold dit le milieu comme ça? Non, mais me shoot pas, me shoot pas. En fait, il y a vraiment. En fait, c'est forcément contaminé parce que. J'ai tué. Écoutez. J'ai tué Oraclet, j'ai tué Red Street. Oui, mais t'as été contaminé après. Pour moi, t'as été contaminé juste après avoir tué. Juste avant la mort de Noraya, en fait. Qui était la dernière contaminée, contagieuse. Mais vous pensez pas que Noraya aurait utilisé son truc avant? Elle est contagieuse depuis le début. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait pas utilisé, en fait. Oui. En niveau 2, il y a le méchant. Mais gros. Mais non, parce qu'il l'aurait dit. Gold, toutes les deux minutes, tu changes de phrase quand même. Tu te rends compte? Mais vraiment, t'es pas clair dans tes phrases. Je veux bien te croire, mais alors, t'es safe comme une merde. Genre, vraiment, même quand t'es safe, tu sais pas du tout. Bon, les gars, vous vous rendez compte qu'il faut qu'on en tue au moins un pour avoir une gap, hein. Genre, on a pas de gap. Mais t'as pas confiance en Bichard alors qu'il est safe, ok, mais c'est toi. Alors que je viens de donner les codes raids, le raid. Il faut savoir que Choups et moi, on a le même rôle. Il est hacker et je suis mutant hacker. On a les mêmes pouvoirs, on peut faire exactement la même chose. Et Malfanax, au début de la game, a annoncé qu'il y aurait deux mutants géants. Sauf que jusqu'ici, un seul est mort. Et du coup, les astronautes suspectent que le dernier mutant restant est le mutant géant. Sauf que, comme moi je donne l'écho, je ne peux pas être mutant géant et hacker en même temps. Il va falloir que je joue sur ça pour me faire innocenter. Moi, j'attaque Bouchard derrière, mais je pense que c'est ton dead, donc là-bas, ouais, ça correspond. Moi, je pense que c'est toi. Non, mais ça, il essaie. Tu peux pas être mutant géant. Les gars, c'est juste. Je peux pas. Je peux pas donner l'écho et être mutant géant. Mais oui, c'est mutant géant le dernier. Bah, ouais, mais je peux pas donner l'écho et être mutant géant. Et moi non plus, je peux pas avoir fait ce pouvoir et être mutant géant. Mais c'est quoi ton pouvoir? Mais j'ai confiance en Malfa. Mais Malfa est mort. Malfa est mort. Alors, je donne la dernière fois. Il y a un seul de mes rôles à moi qui est mort. Il y a un seul de mon rôle à moi. Malfa, c'est une merde. Oh putain. Il est gentil. En tout cas, ouais. Donne-moi les coordonnées dans 50 secondes, tu me donneras les coordonnées de Zex, s'il te plaît. Pourquoi tu fuis? Ce sera la fin de l'épisode dans 50 secondes. Ouais. Pourquoi tu... Tu fuis, hein? Tu stresses? Non, c'est lui, les gars. Il bégaye. Non, mais tu bégayes. Il est pas à part ça. Vous savez, mais... Ouais, c'est bon. C'est Gibouk, hein. Enfin, non, c'est Gibouk. Gibouk est innocent. Vas-y. C'était déjà Gibouk. Voilà. Ça, ok, bah... Bon, c'est raid 100%. En fait, on a juste besoin d'une pomme. C'était... Je pense que c'était pour la pomme qu'on a fait ça. J'ai failli mourir de chute. Oh, bah du coup, il faut les codes raid, hein. Ouais, bah t'inquiète, on les a. Bah Licorne, tu les prends en premier ou je les prends d'abord? Bah là, stop, prends les maintenant. 53... Moins 62. C'est il est où devant moi? C'est n'importe quoi, les gars. Bah, du coup, au moins j'aurais su qui était le dernier mutant avant la fin. Les gars, vous avez pas oublié un rôle dans la combo par hasard? Il y a un rôle qui peut encore avoir et en fait ça peut être très utile de savoir qui est encore ce rôle là. Bah, c'est quoi le rôle? Vas-y, dis-le vite, maintenant. Mutant géant. C'est le mutant géant qui reste, il y avait deux mutants joueurs, il y en a qu'un seul qui est mort. Moi je peux donner tes coups. Je vais pas tuer les deux autres, je sais que c'est toi, Bichard le dernier. Bah écoutez. C'est quoi? On les laisse se fight. Mais non, Bichard il est gentil. Je suis gentil 100%. Mais oui, il est gentil. Contre un mec à résistance, ça va être compliqué. Non, mais il peut pas. Mais j'ai pas résistance. Gros, t'as vu les dégâts que je prends depuis tout à l'heure? J'ai pas résistance. Mais je donne tes putains de codes depuis tout à l'heure. Putain, genre c'est insane. Pardon pour le vocal. Mais non, mais je donne tes codes depuis tout à l'heure. Je doute aussi. Tu vois? Je donne tes codes depuis tout à l'heure, je peux pas être mutant géant et hacker. C'est ce que je viens de dire. Arrête de douter, tu arrêtes maintenant. Depuis tout à l'heure. Mais il y a eu qu'un seul mutant géant de mort. C'est quoi? À force on va perdre les sorts, mec. Idemo. Eh mais gros, il est en train de m'enculer. Idemo. Les gars, par contre, j'ai pu il m'a mis je sais pas combien de flèches. Les gars. Les gars, attaque avec moi, gros, il m'a mis putain de flèches là, c'est chiant. Ça me saoule. Il me saoule. Il me saoule. J'ai pré-gap et tout, j'étais prêt à attaquer, il m'a mis 7 flèches. Maman, comment dit mourir en serbe? Umret. Ah ouais, bah Nemoïda Umredi. J'espère vraiment c'est toi, gros, parce que ça commence à me saouler. Hein. Genre vraiment, cette game commence à me saouler.
Voilà. Putain, oh, c'était pas lui. C'est qui? Gibouk. Gibouk, c'est toi? Non, c'est pas moi. Gibouk, c'était Bichard. Bichard, t'es trop fort. Je t'aime, je te fais l'amour, je te fais des enfants. Mais je suis bébé Bichard. Retournage de cerveau. Mais on fait était, tout. Il était mutant ou il était mutant géant? Il était mutant géant. J'étais mutant cœur. J'étais mutant cœur. Mais quoi? Eh bien, c'est mutant géant. Et oui, j'avais raison. C'est l'une des meilleures games que j'ai faites de toute ma vie. Il y avait de tout, de la stratégie, du PVP, du retournage de cerveau, il y avait de tout. Ah oui, et du coup, on peut revenir à l'effet papillon. Si je n'aurais pas tué Restrict au début, jamais il ne m'aurait fait confiance. Et Oraclette aussi. Donc, voilà, l'effet papillon. Les deux premiers kills ont créé cette game. Bon bah voilà, comment un rôle pas ouf de base, et qui annonçait une game un peu nulle, peut se transformer en une game de ouf, avec un rôle super utile. C'est là où le sport se démarque des autres UHC à rôle. En fait, l'avantage du sport, c'est que tout le monde peut passer d'un côté ou de l'autre à tout moment. Et c'est pour ça que le sport est un jeu bien plus différent et que les games ne seront jamais pareils. Deux games ne se ressembleront jamais. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi, merci beaucoup d'être resté jusque là. Et du coup, bon bah si vous êtes resté jusque là, vous pouvez marquer autoflagellation dans les commentaires. Cherchez autoflagellation, cherchez l'orthographe, écrivez-le bien. Voilà, donc marquez autoflagellation. J'ai vu que Chicken vous avait beaucoup plu la dernière fois. Il vous avait beaucoup plu, donc merci beaucoup. Voilà, donc je vais pas faire de coupure de montage ou quoi pour cette fin de game. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel UHC. Et c'était Bichard. Allez, à bientôt.